Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire quoi? On va jouer à Clash Royale, on va ouvrir des coffres, si possible avoir de nouvelles cartes, hein, pourquoi pas. On a Red 4, on en profite. Donc du coup on commence par ouvrir les coffres gratuits, donc on voit ce que ça donne. Premier coffre, attention, 42 d'or, ok, voilà, donc comme d'habitude, ça ne change pas. Un barbare, ok, pourquoi pas, et attention, 5 Tesla. C'est de la merde. Ok, bon, on ouvre le deuxième. On a la chance d'ouvrir un deuxième coffre. C'est plutôt pas mal. Donc 48 d'or, c'est extrêmement peu. Mais c'est bien, c'est bien. Donc horde de gargouille. Ouais, ça. Une pierre tombale. Non, mais pourquoi pas? Mais oui, non, mais. Tant qu'on peut, hein. Allez-y, hein, y a pas de soucis. Donc, du coup, sinon, on a 38 d'or. Voilà. Donc on a deux flèches. Ouais, ça va. J'aurais pu en avoir plus, hein, mais bon, c'est pas très grave. Donc on a trois bombardiers. J'ai l'impression que plus on en a temps, moins on gagne deux cartes. Hein, c'est bizarre. On a 36 d'or, ouais. Une archer. Il doit se foutre de ma gueule des fois, non, je sais pas. Et quatre flèches, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Flèches sont très très utiles. Donc du coup 47 d'or, ouais. Oh, j'ai passé les 2000. 5 hordes de gargouilles, une cabane de barbares, pourquoi pas. Et c'est plutôt pas mal. Regarde, si je veux je peux acheter le ballon, quoi. Oh putain. Ouais, non, je vais peut-être pas acheter le ballon. On va éviter quand même. Ça coûte cher tout. En plus ils disent même pas ce que ça fait si je l'améliore, le ballon. Il y a pas pour l'amélioration, c'est dommage. Alors ça fait quoi si je l'améliore? Ça fait quoi si je l'améliore? Bon, c'est pas très grave. Du coup, c'est parti, on va ouvrir le coffre d'or. Qu'est-ce qu'il a dedans? Normalement, il est plus généreux. Hein. Donc, 140 d'or, c'est pas mal. 5 gargouilles, ok. 6 Tesla, oui, pourquoi pas. 7... Mais tu te fous de ma gueule, en fait. Oui, tu te fous de ma gueule, c'est confirmé. C'est confirmé. Putain, cul de ta race. Non, mais c'est de la merde, la tour de l'enfer, mon gars. C'est un truc de ouf. Ça, c'est de la merde. C'est... Regardez, j'ai eu une armée de squelettes, je sais même pas où c'est que je l'ai eu. Je me rappelle plus l'avoir eu, mais je l'ai eu. Donc c'est bizarre, hein, mais je l'ai eu. Voilà, donc qu'est-ce que je te dise, tant mieux. Voilà, donc j'aimerais bien aussi avoir le ballon, ça peut être pas mal. Hein. Voilà, et puis bah voilà, jusque là tout va bien. Et donc du coup, bah on va se faire 2-3 combats pour avoir le coffre couronne. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Mais oui, un niveau 7, mais oui, histoire de bien compliquer la chose, un petit niveau 7. Mais oui, bah oui, voilà. Commence comme un gros connard. Bah voilà, mais t'as vu tous les dégâts. Oh, j'ai 2030 à la base de points de vie. Regarde tout ce qu'il m'a enlevé, le putain de ta mère. C'est un truc de ouf. Mais oh, vas-y, tu vas me le poser, mon putain de dragon. Putain, ce simulateur là, franchement, il est vraiment pourri. Oh, c'est un truc de ouf, mon gars. Et ouais, voilà, bah ouais, pas de soucis, bah oui, voilà, bah nique ta mère, mon gars, nique ta mère. Putain, niveau 7, quoi, j'y crois pas. Oh, vas-y, tu vas arrêter de me saouler, mon gars, putain d'émulateur. Putain, niveau 7 qui... Putain, j'y crois pas, quoi, ça me saoule, franchement. Mais oui, voilà, bah allez, super, voilà, génial. Putain, mais niveau 7, quoi, mais j'y crois pas, mais Supercell, vous me cassez les couilles. Putain, niveau 7 contre moi, j'y crois pas, mais qu'est-ce que je gagne? Je peux rien faire contre un niveau 7, le mec. Laisse tomber, il a des troupes. Je peux rien faire, il a des bâtiments défensifs, mon gars. Ils sont tellement puissants, tu peux rien faire. Ça commence vraiment à me saouler, Supercell, cette connerie là, putain. On est niveau 6, on bat contre des niveaux 6, et puis voilà, c'est tout. Putain de ta mère, ça me saoule ça. Putain, Supercell commence vraiment à me casser les couilles avec leur jeu de merde là. Putain, vas-y, ça me saoule, Supercell, tu me casses les couilles, franchement. Tu fais vraiment des jeux de merde, hein. Putain, c'est un truc de ouf.
Bon, 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 allez, allez, on y va, on attaque, on espère qu'on y arrive. Allez, allez, oui, oui, ni qu'une tour, oui. Oh, 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 il y a peut-être moyen, on sait jamais. Putain, mais lui, il a combien de sortes de gel, c'est un truc de ouf. Il a tellement de sortes de gel, le mec, ça fait flipper, franchement, je vous le dis direct. Oh, il y a peut-être moyen qu'on lui nique une tour, les gars. Il y a peut-être moyen, regarde toutes les troupes, on les met, regarde. Il nous stagne, mais on a tellement de troupes, mon gars, mais on va le défoncer, putain. Oh, putain, on l'a défoncé. Oh là là, bah Rio, je m'en bats les couilles, je t'ai défoncé. Ah, putain. Oh, j'étais contre un niveau 7, il a voulu jouer au malin, à me geler comme un tête de con, et on l'a défoncé. Oh, putain. J'étais énervé, tu vois. Putain, mais bim. J'ai quand même défoncé. Ah, c'est bon, ça. Du 3 étoiles dans sa gueule. Tu vois, il a voulu faire... Wouh. Et je te baise. J'ai des sortes de gel. Eh ben non, pas du tout, mon gars. T'as beau avoir des sortes de gel, ça m'a aidé carrément, tu vois. Donc, t'es tellement con. Tu mets des géants, tu mets des sortes de gel. Ça stagne, ça agglutine mes troupes. Et boum, ça te défonce, mon gars. Mais oui. Non, mais t'es con, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Oh, putain, c'est bon, c'est génial. Voilà, donc c'est parti. On va se retrouver tout de suite pour ouvrir le coffre. Et puis, voilà. Alors, un petit guerrier tranquillou. Un petit mousquetaire. Tranquillou encore une fois. Voilà, un petit dragon, histoire de bien faire le taf. Pas de soucis. Voilà, voilà. Et le dragon va casser tout ça. Un petit bombardier derrière, histoire de faire encore plus le taf. Voilà. Bon, on n'a rien fait du tout, donc bon, ça c'est fait. C'est pas très grave, parce que du coup, on va le défoncer. Si, on va le défoncer. Truc de ouf. Voilà, regarde, on le défonce. Mais oui, non mais attends, le mec il a rien compris, il a cru qu'il allait me submerger comme ça, tu sais le mec. Il a cru qu'il allait faire une technique de submergeage comme ça, tu sais. Non mais le mec a fumé un peu, hein. Enfin je sais pas ce qu'il a fumé mais ça doit être du lourd, hein, attention. Alors ce qu'on va faire, on va rien faire, voilà. Oh, non mais là on va rien faire, là clairement là je peux rien faire du tout. Si, je peux défendre contre ça, putain bon c'est pas très grave, on va utiliser un bombardier, voilà. Putain on a jamais les troupes quand il faut. Putain c'est hallucinant ça, hein. Moi je demandais juste les petits squelettes à la con. C'est tout. Je demandais pas plus, mon gars. Ok, donc c'est pas grave, on va se rattraper. Putain, mais il a combien de trucs de barbares, fils de. On me casse les couilles, ça. Vas-y, nique-le là, nique-le. Putain, si t'es sérieux, obligé de défendre avec cette merde. Ok, pas de soucis. Pas le temps de niaiser. Eh vas-y, tu commences vraiment à me saouler avec tous tes barbares, toi. Oh, tous tes trucs et tout, là. Putain, mais merde, moi j'envoie ça comme un con. Oh là 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 là, vas-y qu'il envoie le dragon à ce moment-là, ce fils de pute. Allez, là, nique le dragon, toi. Nique le dragon. Putain, c'est long. Allez, nique tout ça, là. Oh là 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 là, mais on est dans une longueur, mais c'est un truc de ouf. Une lenteur de ouf. Non mais regarde tous ces barbares. Toi tu me saoules pas avec ton pute. Ouais oh, j'ai cru qu'il avait touché ma tour que j'ai fait what. J'ai cru qu'il avait touché ma tour, j'ai fait what. What. Ok donc c'est parti, on envoie le dragon. Hop, on défend tout ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller, on va aller à gauche. Voilà, comme ça il défendra pas à gauche. Il sera surpris j'ai envie de dire. Et on va le défoncer. Non mais bon, comme ça au moins ça peut le faire. Voilà, on va le défoncer à gauche. Il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose. Je dis bien peut-être parce que bon, avec ma débilité, ça risque pas de faire grand chose. Donc il y a peut-être moyen qu'on rattrape. Allez, bim, voilà, bim, t'as vu. Voilà, ça c'est la petite technique de OKLM, tranquillou. Voilà, il y a peut-être moyen qu'on fasse. Allez, vas-y, pose 2, merci. Ta grand-mère qui a passé des élixirs, c'est pas moi, ok, d'accord. Donc tu te calmes, ok. Voilà, non mais bon, je tiens à le dire. Allez, bim, voilà, bim. Non mais tu vois, voilà, petite technique. Hop là, le mec te défend un max à droite. Tu vas à gauche. Tout simplement, ben oui. Ça, c'est la petite technique, tu vois. Eh ouais, mon petit. Nickel, quoi, ok, LM, boum. Ok, donc là, jusque-là, on est bien. On va peut-être mettre un deuxième dragon. Regarde, on va mettre un deuxième dragon.
Oh putain, le mec, il a le démon. Non mais le mec a le démon, là clairement on peut le dire. Tu vois, là j'ai renversé la situation, il a trop le démon. Là il se dit putain, je menais les rênes et tout, et là d'un coup il me défonce là. Vas-y, ça m'a saoulé et tout, je quitte, voilà, non, ça, je rage quitte, je m'en bats les couilles. Ah ouais, non mais truc de ouf hein. Là on est bien, franchement j'ai bien fait d'aller à... Oh, comme j'ai trop bien fait, putain. Oh finalement, je vous mets aussi ce gameplay là. Et puis on se voit pour les coffres après. Putain mais regardez-moi ça. Le mec, vas-y, il m'attaque de droite et tout. Ah, il me défonce, tu vois. Pas moyen d'attaquer. Ah ouais, tu veux jouer à ça. Boum, je vais à gauche, je le défonce, le mec. Voilà, une petite technique, les gars. Si les mecs vous emmerdent de droite, vous partez à gauche. Et puis voilà. Vous attendez bien qu'ils mettent des bonnes troupes à droite. Et puis après, hop, vous allez à gauche. Et le mec, bah, déstabilisé, quoi. Voilà, donc du coup, hop, je vais faire un petit combat. Et puis on se dit à tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc du coup. Du coup on va ouvrir le coffre. Et puis voilà, donc bah tranquille, pepperoni, voilà, tout à fait, c'est des pâtes, voilà, tout à fait. Non mais bon, on s'en fout. Alors donc du coup on ouvre les coffres. On ouvre un coffre plutôt. Mais il y en a qu'un seul. Ouais, c'est comme ça, c'est pas de ma faute, hein, je vais pas avancer le temps. Voilà, donc 151 d'or, oui, 2 gemmes. Oh, putain, on est riche, on est riche. Un gobelin, c'est tellement énorme, tu me fais super plaisir. Donc du coup. Deux canons, ouais, deux canons, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah oui. Ah là, j'avoue, tu fais plaisir. Là, non, mais là, j'avoue, tu fais plaisir. Non, tu fais plaisir. Non, mais tu fais plaisir, y a pas de souci. Y a pas de souci, ok, donc ouais, bah, c'est magnifique. Une Tesla, donc. Non, une Tesla. 15 Tesla, donc c'est plutôt pas mal. Je suis content, j'ai eu le chevaucheur de cochon. Hein. Juste là. Il m'en manque plus qu'un pour l'améliorer, donc c'est plutôt pas mal. J'en suis bien content, dis donc. Et puis voilà, donc attends, hop, on vous monte. Ouais, non, après c'est. Attends, c'est peut-être. Non, pas du tout. Bon alors. Combat. Non, c'est pas ça que je veux montrer. Calme-toi, merci. Voilà, donc. Si vous voulez. Hein, c'est gratuit. Oh! Vous saviez pas, mais je vous assure que c'est gratuit. Oh, c'est un truc ouf. C'est gratuit si vous voulez venir dans le clan. Hein. C'est gratos. Gratos. Mais pas un seul centime. Tu dépenses rien. Rien. Tu dépenses à la limite en électricité parce que. Parce que bon, voilà, t'es bien obligé hein, pour charger ta batterie d'iPhone ou de tablette ou d'ordi ou j'en sais. Enfin, t'es obligé d'avoir de l'électricité donc tu payes un minimum. Mais sinon, c'est gratos, mon gars. C'est un truc de ouf. En tout cas, l'action de venir dans le clan, c'est gratuit, hein, je t'assure. Tu peux venir, voilà, donc cœur pur, comme ça c'est écrit, nickel. Et puis voilà, donc un petit S, un petit ENT à la fin, nickel quoi. Du coup, juste comme ça, donc on est 13, plus 12, parce que apparemment le max 12 d'ici qui vient juste de rentrer, et le max 12, enfin le max 12, le max 17 qui est juste ici, et le max 17 de là. Je préfère le laisser quand même. On sait jamais, au cas où, bon, je préfère quand même. On sait jamais. Voilà, donc du coup, bah voilà, au niveau des dons de troupes, il y a toujours quand même les personnes qui donnent et les personnes qui reçoivent. Hein. Mais bon, au moins on donne, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Hein. Bon, on est que 13, donc on risque pas de donner extrêmement beaucoup. Hein, voilà. Mais petit à petit, on augmente et on donne. On avance ensemble, bien entendu. Voilà, donc du coup... Putain, t'es sérieux? Ah ouais, à ce point-là, t'as vu, j'en ai zéro. Zéro. Oh putain, dit, c'est hallucinant. Voilà, donc du coup, j'aimerais bien en avoir 200. Ça pourrait être pas mal. Ouais, barbare, je peux les améliorer si je veux et tout. Enfin bon, pour l'instant, j'améliore rien. À la limite, j'améliore lui, tiens. Allez, non mais on est des fous, voilà, en live, on améliore. Voilà, voilà. Non mais, comme ça, mon petit, comme ça. Voilà, donc 24 en plus, 8, 16. Donc c'est plutôt pas mal. Il nous manque plus que 70, on va dire une troupe à améliorer, une troupe ou deux. Bon, je l'améliore pas tout de suite, hein, je préfère améliorer les troupes que j'utilise pour l'instant, donc limite lui, à la limite. Ça peut être pas mal, voilà, donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, mais comme d'hab quoi. Allez, ciao tout le monde, ciao.